Allez les amis, on continue notre petit périple sur Final. On va voir un petit peu où ça nous mène. Vous les voyez, nous regarde, oui. Ouais, c'est plus les abos. Tu prends Yoshi qui compte que les vues, parce que les vues c'est éphémère. Ce qui compte c'est monter ta base de communauté pour des gens qui vont potentiellement pouvoir voir ta vidéo, tes prochaines vidéos, etc. C'est comme moi avec TikTok. Tu vois, par exemple, j'ai une vidéo là, elle est à 18 000 vues là, tu vois, sur TikTok. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui like, mais il y en a très peu qui s'abonnent. Donc au final, c'est cool parce que la vidéo elle fait des vues, mais c'est des gens qui vont pas forcément revenir sur mon profil TikTok pour s'abonner, tu vois. Comme par exemple la vidéo sur YouTube qui a fait 14 000 vues, le short qui a fait 14 000 vues sur YouTube, j'ai pris une cinquantaine d'abos. Mais c'est pas comment dire, sur les 14 000, c'est très peu, tu vois. Oui, non, mais d'accord, Yoshi, c'est pas ce que je te dis. Mais c'est surtout les abos qu'il faut regarder, pas forcément les vues. Ah bah bien sûr, j'ai pas dit le contraire, j'ai pas dit qu'il fallait pas être content. Et toi ce mois-ci, ta chaîne alors ça en est où? Ça avance un peu ou t'as complètement arrêté? Sort un peu de vidéo là ce mois-ci ou pas trop? D'accord. Ok, ok. Bon, bientôt le million d'abonnés, hein, souci. Là, mais il y a un ennemi tous les centimètres, frère. C'est ouf, quand même. Ouais.
C'est vrai que Genshin a plus un côté solo que MMO. Alors que Tower of Fantasy, ouais, c'est plus MMO. Après, c'est des jeux cool, tu vois. Mais après, après moi, j'aime bien. Après, le problème, c'est que, bon, ben, vous connaissez, hein, mon problème est toujours le même. C'est que je peux pas être sur 50 millions de jeux à la fois. Et du coup, c'est compliqué, quoi. Là, je suis concentré sur un dessin pour TikTok. Ah, mais genre, tu fais des vidéos dessin sur TikTok, toi, maintenant? Non, mais attends, il va falloir que tu me donnes ton TikTok. Je sais plus si je suis abonné ou pas à ton TikTok. J'ai envie de voir les vidéos dessin, moi. Ah, moi, dès que j'ai déménagé, je reprends le dessin. Moi, je kiffe Genshin. Ah, bah, Genshin, il est cool, hein. Ok, Genshin, il est super cool. Là, après, c'est cool parce que t'as encore beaucoup de choses à faire, Onik, avant d'être arrivé au point où bah, tu t'ennuies sur le jeu parce que t'as tout fait, on va dire, en gros. Mais après, c'est ça qui est bien avec les jeux comme ça, c'est que c'est gratuit, donc tu fais jusqu'à que t'aies fini l'histoire, machin, puis après, ça te permet de jouer un peu à autre chose. Et quand ils ressortent un arc de l'histoire, une nouvelle zone ou quoi, ben boum, tu reviens, tu retryhard et tout. Ben moi, c'est ce que je vais faire. Hein. C'est ce que je vais faire, par exemple, à Ni no Kuni, tu vois. Non, c'est pour un edit. C'est quoi un edit, celui-ci? Faudrait que tu t'y remets, toi. Bah ouais, mais le problème est toujours le même, Big. C'est que j'ai beaucoup de jeux commencés, quoi. Et là, j'aimerais bien finir celui-là en prio, Xenoblade et Saints Row, tu vois. Et après, je pourrais me remettre à plein de petits jeux comme ça, de temps en temps. Mais bon, entre les deux, Big, ben, j'ai la chaîne Wakfu. Et il faut que je fasse du taf aussi dessus, tu vois. Donc, il faut que je joue à Wakfu aussi, quoi. C'est compliqué, j'ai beaucoup trop de trucs en place. Ouais, mais il y a tout le temps de la nouveauté. Ouais, mais je veux dire, ils rajoutent pas tout le temps de la suite de l'histoire. Tu vois, il y a de la nouveauté parce qu'il y a des événements en jeu, des choses comme ça, mais pas des pans d'histoire. Ils le rajoutent quand ils rajoutent des zones, des choses comme ça, tu vois. Donc c'est pas tout le temps qu'ils rajoutent des histoires, mais voilà. Et pour Immortal, t'as réussi à récupérer ton compte, je sais pas quoi. Non, Nick, c'est trop chiant, Big. J'arrive pas à délier. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que quand il y aura un peu moins de sorties de jeu. C'est-à-dire que ça sera un peu plus calme. Je me paierai un mois d'abo à Ubisoft Connect, à l'abonnement Ubisoft, et du coup je finirai le jeu et j'en profiterai pour finir les DLC aussi de Valhalla, d'Assassin's Creed Valhalla, etc. Et puis voilà, quoi. Ouais, mais bon, c'est comme ça, c'est chiant, mais bon, voilà. C'est comme ça, hein, Big. Bon, après, je suis sûr qu'en insistant un peu, j'arriverai, mais en ce moment, j'ai pas le temps, j'ai la flemme de passer 3 heures à faire des mails pour dire je voudrais enlever mon compte, délier machin pour en relier un autre. Bon, bref, trop chiant, quoi. Ouais, c'est ça. じゃ、死ぬか。それも怖いんだろ。俺もだ。おっかなびっくりで死ぬに死ねねえ臆病もんだ。なら、居直ってとことん生きてやる。父ちゃんみっともねえぞってどっちに笑われちまいそうだが。 何よりあいつの笑顔が好きでな。
quoi la pégoser. Là. Allez les gars, regardez. Moi je m'en fous les gars, parce que de toute façon, j'ai 132 000 abos les gars. Je vous l'avais pas dit, mais voilà. J'ai 132 000 abos. Et ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire quoi maintenant? Bouh. Ouais, je sais, c'est ma chaîne Pokémon, les gars. T'as vu ma bannière? Ouais, ouais, soyez pas jaloux. Elle est trop belle, ma bannière. Je fais des vidéos, je crois que c'est de l'espagnol. Oh, c'est quoi? Il y a un gros tas de morts, mon frérot. Ah, ça change là. Putain, l'équipe elle est moins forte hein. Ah, c'est pour ça que tu t'es mis au chorizo, c'est ça. Ouais, je suis bilingue en surf. C'est sympa hein. どうだ!
Ah, son pied était crash. C'est quoi, j'avais quasi fini le jeu moi à l'époque. D'ailleurs non, je crois que j'avais fini, je me rappelle pas du tout de cette partie. C'est ça. Qui veut le lien de la nouvelle chaîne YouTube que j'ai créée? Allez, je vous le donne, même si j'avais dit que je voulais pas en faire une pub. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous comptez déjà regarder les vidéos? Sinon, ça sert à rien. Moi je veux. Attendez, c'est celle-là. Mais j'ai quand même gagné avec la première vidéo 2 abonnés. 2 abonnés sans pub la chaîne. Voilà, c'est celle-là. Tiens, je te mets le lien. Attention, vous verrez les mêmes vidéos sur cette chaîne là que sur la chaîne principale, les gars, je tiens à le préciser. C'est juste une chaîne, voilà, au cas où, pour tester un truc. Vous verrez les mêmes vidéos, les mêmes shorts. Par contre, celle là vous verrez pas du tout de jeux vidéo, et dans l'autre, maintenant, à partir de maintenant, vous en verrez plus non plus. Alors, hey, 3000, on peut aller se faire plaisir quand même un peu. Pourquoi t'as pas donné avant tête de cul? Parce que je voulais, en fait, je voulais pas en faire de pub. Parce que déjà, vous regardez pas les vidéos sur la chaîne principale déjà de base. Donc je me suis dit, puber pour rien, ça sert à rien. Et j'avais pas envie de la puber parce que je veux pas récupérer des abos qui servent à rien, on va dire. Et du coup, cette chaîne là. C'est vraiment, il y aura vraiment, il y aura que des vidéos, enfin il y aura que les vlogs, il y aura les vlogs. En fait, tout ce qui va sortir à partir de maintenant sur la chaîne principale sortira aussi en doublon sur cette chaîne là. Je modifierai peut-être les miniatures histoire que ce soit pas totalement les mêmes, mais en tout cas le contenu vidéo sera le même. Sauf que celle là, ben, elle repart de zéro. Je veux tester, voir si ma chaîne principale elle est vraiment buggée, genre en mode ça envoie pas les notifs, etc. Ou pas en fait, et je veux voir si ça là elle arrive à monter sans sans avoir le malus de l'autre qui était une chaîne gaming, etc. Ouais, mais tu sais que les TikTok bing bam boom ils font jaser de ouf sur TikTok, c'est trop bien. Hein, bon, après, je l'ai fait, voilà, c'est juste pour la fête, mais après, je sais, Fortnite, je m'en fous, tu vois, genre Fortnite, tant pis, je sais, je fais ça. Ça fait des vues machin, mais voilà, après quand j'aurai et voilà, niveau drôle, je l'ai pas monté. Pac, voilà, donc du coup, il sera un peu plus efficace. Mais ouais, après ça là, voilà, je vais essayer, je regarde les vlogs pas en entier mais une partie. Ah ben voilà, Smoothie regarde même pas les vlogs en entier. Du coup, ça sert à rien. Pourquoi vous regardez pas les vlogs en entier? Et moi, je suis une meuf sur YouTube. La meuf, elle fait des vlogs de 2h30. Et je les regarde. 2h30, putain, c'est long. Hein. Et la meuf, elle a 11 000 abos. Elle fait des 4-5 000 vues par vidéo sur des vlogs de 2h30.
Non, non, là, si tu regardes la vidéo que j'ai fait de présentation sur l'autre chaîne, c'est pas flou. Ça, c'est avec mon téléphone, etc. C'est pas flou. Là, l'autre, c'était avec l'appareil photo. Je sais pas pourquoi. Il gave cet appareil, de toute façon. C'est jamais bon, les vidéos comme je veux les faire. Donc maintenant, je pense que je vais, au lieu de partir sur un nouvel appareil à 1000 balles, etc., elle doit vraiment être charmante pour que tu la mates 2h30. Même pas, frérot, même pas. En plus, c'est ça le pire, c'est qu'elle est même pas, belle, quoi. Non, c'est juste que j'aime bien son contenu et du coup, je suis. Après, elle fait pas 15 millions de vidéos non plus. Il te faut une cam direct. Non, non, je vais pas me faire chier avec. En fait, je suis en train de réfléchir que je me fais chier. Bon, là, tu vois, j'ai un téléphone, c'est de la merde. Mais je me fais chier avec des appareils photo, machin, etc. Et je me fais chier avec ça. Et ça fait une qualité de merde. Voilà, avec l'appareil photo, ça fait une qualité de merde. Donc, vu que j'ai pas envie d'investir 5000 euros dans un appareil photo pour avoir une bonne qualité, tu vois, ben, je pense que je vais m'acheter un téléphone haut de gamme. Tu vois, genre un Samsung ou peut-être un iPhone, etc. Je sais pas. Même si je suis pas trop iPhone, peut-être ça sera sûrement un Samsung. Mais je vais m'acheter un bon téléphone qui font des bons trucs. Parce que mon ancien Samsung, déjà, le A21 ou A22 ou A23, je sais plus lequel j'avais, il faisait des vidéos de trop bonne qualité avec un bon son et tout. Et en plus, sur le téléphone, j'ai un micro Rode. C'est-à-dire qu'Ecart m'avait donné un petit micro Rode qui se branche sur le téléphone. Tu le mets à la place des écouteurs et tout. Et t'as un micro Rode, tu vois, pour téléphone et tout. Et je me dis, ça me coûtera moins cher qu'un appareil photo. La qualité est aussi bonne qu'un appareil photo. Parce qu'en plus, maintenant, les téléphones vraiment haut de gamme, ils font de la 4K et tout. Donc, je pourrais même faire des vlogs en 4K. Tu vois, pour 1000 balles, quoi, tu vois. Alors que pour faire de la 4K avec un appareil photo, c'est 5000 boules, tu vois. Enfin, peut-être pas 5000, mais t'es à 2000, 2500 euros. Et voilà. Alors, je me dis, peut-être, tu vois, investir dans un téléphone. Surtout que maintenant, il existe les perches téléphone où tu peux bouger comme tu veux. Le téléphone, il bouge pas, rien. Donc, je me dis, plutôt que de me faire chier, tu vois, avec un appareil photo, voilà, quoi. Donc je me dis peut-être investir sur un téléphone plutôt qu'un appareil photo, tu vois. Donc voilà quoi, parce que bon, ça me fait chier d'investir sur un appareil photo si au final, t'imagines, je lâche, 800-900 balles dans un nouveau appareil photo. Au final, il me fait une qualité de merde comme le mien, là. Bah, pas une qualité de merde, mais genre, c'est tout flou, machin, tu sais pas pourquoi. Putain, ça me foutrait la haine. Hein. Alors que je sais qu'avec un téléphone, bah, ça passe, tu vois. Regarde, mon téléphone à 160 balles, la qualité, elle est mieux. Elle est mieux, la qualité que le téléphone à... Enfin, que l'appareil photo, tu vois. Donc, je vais regarder. Une fois que j'aurai fait mon ordi, tout ça, bah, je repasserai sur un bon téléphone pour avoir une bonne qualité. Et en attendant, bah, je vais faire avec ce téléphone-là et tout, ça ira nickel. Parce qu'en vrai, maintenant, les téléphones, tu peux tout faire avec. Oh, tu peux filmer. Enfin, moi, je vois ma soeur, elle a un iPhone. Elle a fait des vidéos en mode, je sais pas, pas des vidéos, des photos et tout, en mode, je sais pas, ciné, machin. Tu dirais des photos de photographe, quoi. Genre, vraiment, elles sont trop bien faites et tout. Les photos de mon fils et tout, trop belles. Et tu dirais des photos de photographe, quoi, vraiment. Et du coup, je me dis, bah, plutôt que de me faire chier avec un... Attendez. Plutôt que de me faire chier avec un truc... Mais voilà. Attends, je vais essayer de vous montrer une photo qu'elle a prise, ma soeur. De mon fils. Ah ouais, c'est celle-là. Regarde, c'est ça là, les gars. Regardez la qualité de fou. Tu dirais une photo de photographe. Tu vois, elle est genre trop belle, quoi, la photo. Et ça, c'est avec un iPhone. Alors ça, c'est pas ma soeur, du coup. Voilà. Regarde les photos trop belles. Et ça, c'est avec un iPhone, tu vois. Donc je me dis, avec un bon téléphone, ça passe crème, quoi. Tu vois.
Donc je vais sûrement passer sur un très bon téléphone. Et je vois, il y a plein de youtubeurs qui font pareil, quoi. Il y a plein de youtubeurs qui font pareil, qui en ont marre des appareils photo, machin et tout. Là, j'en suis un qui fait de l'aérographe, du custom et tout, qui travaille avec la boisserie et tout ça. Et pareil, tu vois, il vire ses appareils photo, machin, et il reste que avec comment ça s'appelle, téléphone et comment elle s'appelle les caméras là, les GoPro, voilà. Il a une bonne bouille, ton gars, normal, c'est le père. Hein. Mais non, mais je veux dire par là que, tu vois, téléphone, je me dis au final, ça passe, tu vois. Et quand je vois les téléphones qu'ils font maintenant, là, à 60 millions de mégapixels, machin et tout, quand tu veux l'équivalent en appareil photo, faut lâcher presque 2000 balles, quoi. Et les téléphones, ils font du 4K. Moi, je sais que mon ancien téléphone, le Samsung, là, quand je l'avais pété, je crois que c'était le A22, 23, enfin, un A quelque chose, là, je pouvais filmer en 4K. Et les vidéos, elles étaient propres de ouf. Alors du coup, je pense que je vais passer sur ça. Je vais m'acheter un bon téléphone. Je garderai genre celui-là, tu vois, pour le taf. Genre pour aller sur les chantiers, les machins, je garderai le vieux. Et je m'achèterai un téléphone juste pour filmer, faire peut-être des lives TikTok, des choses comme ça. Et basta, tu vois. Comme ça, je mets pas de puce dedans. Juste le téléphone comme ça. J'ai pas besoin d'avoir de forfait internet, rien, tu vois. Genre je le mets en wifi quand je suis chez moi et basta, tu vois. Voilà, je réfléchis à ça. Ça peut être bien pour pour faire des bons vlogs et tout, quoi. C'est un bon investissement. Ouais, je pense, ouais. Je pense que c'est le mieux. Waouh, j'ai pris 3 abonnés sur la chaîne YouTube. Bah allez mettre des commentaires dans la vidéo, bande de schlag, et des likes. Voilà, ça vous apprendra. Et regardez la vidéo au max. Mettez-la, tournez-la en... Laissez-la tourner en arrière-plan, je sais pas, démerdez-vous. Mais regardez, wesh. Même pas flemme. Vas-y, nique ta mère, Nick. T'es un bâtard. Mais désabonne-toi alors. Je vous veux pas sur la chaîne, alors si vous regardez pas, ça sert à rien, bande de schlag. Putain, mais il faut que j'aille où là? Ah, j'y suis presque. Putain, ouais, j'ai pris le chemin le plus court, hein, ouais. Si j'avais fait remarque, c'est le même. Non, ça aurait été un peu plus long par là. Eh ben, tu verras, ben, tu regarderas après. Alors après, vous partez, vous regardez. Voilà. Après le live, je veux voir plein de commentaires. Elle dure combien de temps la vidéo? 5 minutes elle dure. Ça là, ça va, elle est courte ça là. Elle dure 5 minutes. 5 minutes 51, 6 minutes, allez les gars. Donc à la fin du live, je veux voir 10 minutes après des commentaires. Le mec il va mendier des commentaires. Non, vous faites ce que vous voulez les gars. Après c'est toujours bien d'avoir de l'activité, tu vois. C'est le but de la chaîne en fait. Bah, je vais faire comme la meuf que je suis aussi. Je vais faire des vlogs de 2h30. Tu vas être obligé de les regarder. Après, tu vas pleurer. Voilà, différence les combats quand j'ai ce team. Le mec qui dit ça, alors que je regarde parfois des longs plays de 10 heures. Ouais, mais c'est pas sur ma chaîne, donc je m'en fous. Moi, ouais, quelle vidéo tu parles? Je vois que lui short. Ah, Onyx, il a suivi, lui. Il a rien suivi, frère. Alors déjà, Onyx, sur ma chaîne principale, tu as des vidéos. Regarde, je vais te montrer un truc, une fonctionnalité qui s'appelle trop bien. Regarde, attends. Regarde, quand tu es sur la chaîne principale, donc ma chaîne qui s'appelle Fatalist Raider, t'as un truc, ça s'appelle l'accueil, tu vois. C'est ça qui est magique, c'est que tu vois des shorts. Puis là, t'as les catégories. Oh putain, vlog.
Voilà, il y a deux semaines. Tu sais, le vlog tout flou là. Bah, c'est celui-là. Sauf que là, on parlait pas de cette chaîne-là. On parlait de. Cette chaîne-ci. Parce que j'en ai ouvert une autre en doublon en fait. Et du coup, j'en ai ouvert une autre en doublon. Où il y aura que les vlogs et des shorts en rapport avec la mécanique, les voitures, etc. Et donc c'est cette chaîne-ci. Voilà, Fatalis Garage. Donc si tu la veux, je te redonne le lien. Et là, il y a une petite vidéo qui dure 5 minutes 50, voilà. C'est une vidéo de présentation de la chaîne. Oui, mais là, c'est une chaîne doublon, en fait, Onyx. En gros, c'est un test que je fais. Et si sur le long terme, en fait, les vidéos sur la chaîne Fatalis Garage marchent mieux, c'est-à-dire en gros, parce que celle-là, elle va attirer qu'une communauté qui aime les voitures, qui aime le vlog, qui aime tout ça. Il n'y aura pas de gaming sur cette chaîne. Et même les shorts, il n'y aura pas de shorts gaming. Et en gros, les mêmes vidéos qui vont sortir sur la chaîne principale vont sortir sur celle-là. Il n'y a que la première que j'ai fait pour présenter la chaîne, etc. Où j'explique justement les choses dedans. Mais globalement, elles vont sortir sur les deux. Et si à un moment, celle-là, les vidéos, je vois qu'elles marchent mieux, que la commune est plus réactive, etc. Ben, en gros, sous modo, j'abandonnerai ma chaîne actuelle, la chaîne Fatalis Rider. Je la renamerai dans un autre truc et j'en ferai une chaîne que de short. Voilà, je pense. Ou je la laisserai de côté et je passerai à autre chose, tu vois. Parce que là, je t'avoue que 17 000 abos, faire une vidéo et tu tapes 50 vues, ça casse les couilles, quoi. Donc, du coup, voilà. Je suis ton 6ème abo, c'est magnifique. Maintenant, regardez les vidéos, bande de schlag. Non mais après voilà, j'en ai pas fait la pub parce que je veux pas récupérer des gens qui sont là pour Fortnite, etc. Tu vois, je veux vraiment que la chaîne elle soit considérée vraiment que pour les voitures et tout. C'est pour ça que pour le moment je la mets pas sur le bot, sur le Discord. Tu vois, c'est à dire que tu ne verras aucune publicité de cette chaîne à part là parce que bon, vous me l'avez demandé. Enfin, Smoothie tout ça me l'avait demandé, donc du coup j'ai pas fait. Mais voilà. La mini est stylée. Ouais, c'est mon autre format de miniature vlog que j'ai. J'aimerais bien que le garage qu'il y a derrière, ça soit le mien. Et la bannière, tu la trouves comment? Je la trouve plus belle que celle que j'ai fait sur Fatalis Rider. Même le nom, je préfère, tu vois, Fatalis Garage. Ou Garage Fatalis, je sais plus. Non, c'est comment que je l'ai appelé, je sais même plus, moi, alors. Ouais, Fatalis Garage, je préfère, tu vois. Et là j'ai deux vlogs de tournée qu'il faut que je sorte, qu'il faut que je publie et tout. Bah j'ai trop de chaînes Yoshi frérot, j'ai trop de chaînes. Fatalis Garage, Fatalis Rider, Short TV, Fortnite Boutique, Call of Duty Mobile FR, Ryzen Eka, enfin Ryzen TV, Écarté Ryzen. J'ai trop de chaînes. J'ai trop de chaînes là. Grave Yoshi. Je kifferais hein. Bientôt il va me dire, viens on fait une chaîne Ryzen et Big, lol. Il va en faire une autre Ryzen et Onyx. Non, bah non, parce que regarde Big,
les vidéos que toi tu fais. En gros, regarde, ta rediff The Forest, je la mets sur la chaîne Ryzen TV qui va bientôt devenir en gros Fatalist Gaming ou un truc comme ça. Faut que je trouve un nom qui va bien avec qui rapporte avec gaming et Fatalist. Donc soit Fatalist Gaming ou un truc comme ça. Les vidéos que tu fais toi, regarde les shorts que va faire Smoothie, Yoshi, tout, je vais les mettre aussi sur la chaîne, la chaîne actuelle de gaming. Sioni qui veut faire un let's play et qu'il a la flemme de le mettre sur sa chaîne, ou qu'un jour il arrête sa chaîne, et bah, je lui dirais rejoins la chaîne gaming générale, etc. Tu vois. Le but c'est ça, c'est que j'arrive à un moment où on soit plein sur la chaîne et tout le monde fait du contenu, et au moins la chaîne elle est ultra active et voilà, tu vois. J'écoute le vlog. Non, après tu sais que j'ai envie d'en ouvrir d'autres, des chaînes, hein. Mais c'est le temps qui me manque, j'ai pas le temps de, tu vois, donc je fais pas, mais il y a d'autres sujets qui m'auraient intéressé. Genre j'aurais kiffé ouvrir une chaîne de dessin qu'avec des dessins, tu vois, ou même voir que des shorts dessins ou que des vidéos dessins, mais j'aurais kiffé faire une chaîne dessin. Et non, il y a plein de trucs qui m'auraient intéressé, mais là non, je me limite à écarter Ryzen. Donc la chaîne Wakfu, la chaîne gaming qui est Ryzen TV actuellement, et là, et ma chaîne principale et la chaîne et l'autre, en fait c'est la même, en gros. C'est la même chaîne, c'est juste un test que je fais pour voir si l'autre percerait mieux, etc. Tu vois. C'est vraiment dur à en trouver. Ouais. En fait, c'est surtout, on en parlait souvent avec Eckhart, mais enfin, il faut être vraiment être chômeur pour pouvoir être youtubeur, quoi. C'est ça qui est. Faut vraiment pas avoir de taf, etc. pour être youtubeur, quoi. Allez, on essaye d'esquiver les combats avec lui là. Putain, je vais pas arriver à passer sans l'affronter. Ouais, je peux pas. Après, moi, je le cache pas, tu vois, aujourd'hui, je préfère live que faire des vidéos, tu vois, sauf mes vlogs, sauf les vlogs, mais le gaming, tout ça, je préfère 100 fois live. Et moi, ça m'arrange, tu vois, que je fasse mes vidéos en live. Comme ça, le même temps que j'utilise pour les lives, ben, je sors la vidéo derrière, tu vois. Donc, c'est en rediff, tu vois, c'est des rediffs de live, en gros, mais je le mets en épisode, je fais des mini-a, machin, c'est un peu plus pro, tu vois. Mais c'est comme ça que j'aime bien, tu vois. Après la chaîne Wakfu, je peux pas. Donc c'est un peu plus des vidéos explicatives, tout ça. Mais en vrai, la seule chaîne qui me demande énormément. Enfin, les deux seules chaînes qui me demandent du boulot aujourd'hui, c'est la chaîne pour les vlogs et la chaîne avec Eckhart. Et celle avec Eckhart est plus contraignante parce qu'il faut absolument que je joue au jeu pour être meilleur, pour apprendre, pour qu'on puisse avancer dans les vidéos, dans le contenu du jeu. Donc c'est un peu plus contraignant parce que je suis obligé de jouer pour pouvoir faire la chaîne. Bon, la chaîne gaming, en gros, bon, si demain j'arrête de jouer, imaginons avec Xenoblade pendant 6 mois, même si j'ai pas fini le jeu, c'est pas forcément très grave. Je peux repartir dans 6 mois et finir le jeu, et voilà, tu vois. Mais c'est pas pareil, tu vois. Mais aujourd'hui, je préfère live, tu vois, parler avec les gens, de tout, de rien, de plein de sujets. C'est tellement mieux que d'être tout seul dans ton coin et faire des contenus. Mais bon, il faut bien y passer aussi, tu vois. Après, quand je vais habiter, quand je vais déménager, habiter où, là où il y aura mon atelier et tout, j'ai déjà réfléchi un petit peu à la config, comment la faire pour que je puisse live et tout, sans problème de connexion et tout. Ça va tellement être trop bien. Genre, je vais pouvoir faire des live garage et tout, ça va être trop bien. Ça va être trop bien.
L'OST est trop bien. Ah oui, non, mais c'est FF hein, Yoshi. Nice, il est mort. Bah oui, FF. J'ai hâte quand même de découvrir celui qui sort en décembre. Crisis Core, là. Le remastered de Crisis Core et tout. Et je pense que le prochain FF qu'on va faire avant d'attaquer le 13-2, etc. Je pense qu'on va finir FF7 Remake sur la PS4. Comme ça, on va pouvoir le finir et tout. Ça va être cool. Tu vas rallumer la bête, ouais. Imagine, je la rallume, ça, elle a rebugué sur une mise à jour qu'elle a été censée faire. Boum, je repère toutes mes sauvegardes. Alors là, je crois que je fais un TikTok où je l'explose la play. Ça, c'est sûr. Frère, 4 fois, 3 fois, elle me l'a fait. Ah, si elle me fait une quatrième fois, je l'explose la PSK. Ça c'est bien, Onik. Ça c'est gentil, ça. Putain, comment c'est plus long les combats quand j'ai cette team là. Waouh, c'est ouf quand même. Enfin, tout ça pour juste 385. Ah, c'était radin, hein. Ah, ça y est. Ah, ça y est, je m'en rappelle d'ici. Kang
でいいんじゃねえの？あれも奇跡かよ。ああ、奇跡さ。風と違って倒せる敵だ。返り討ちにしようや。まあ、elle est bonne la pipe que te fait le fraté lol, de pas mal ça va. Je me plains pas. Pourquoi tu dis ça? Parce que lui prend le temps d'aller mettre un com et pas toi? Dis donc. Jaloux. Eh, hey, je peux toujours pas. C'est pas grave, mais c'est chiant. justement, excuse-toi, Big. Hein. Regardez. Laissez-moi tranquille avec ce cadavre. Ah, par contre là je pense qu'il faut que j'XP mes persos parce que je crois qu'à la fin on a un putain de boss à battre. Ah t'as vu hein, tu noteras Big que c'est pas moi qui te fais chier avec Nada. Différence de puissance. T'as vivement que j'ai Snow et tout là, 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 là. Dou という ことは ない. Smoothie. T'as raison, Smoothie, défends le staff de la Fatalis. Oh la différence de puissance. T'as vu Yoshi la différence de puissance entre cette team et quand j'ai les deux autres gags là. Osef, je suis au-dessus du staff. Bah, Big aussi, il est au-dessus du staff. Et qu'est-ce que t'entends par au-dessus du staff? On n'est pas nade, nous, hein, Omika. Yes, the forest est fini. Quoi, tu veux la fourrer? Non, t'as dit quoi? Ah, The Forest, oh putain, j'ai dit mal moi.
Je vais rajouter son aussi à la conversation fataliste sur Snap, elle va bégayer quand t'as à avoir toutes ces conneries pour raconter. On va se dire ouais je suis tombé dans quel monde là. C'est ça t'en dis le plus. Ah le bâtard Onik. Ah bien joué Onik, elle était bonne celle-là. Oh le bâtard. Quel bâtard le Onik. Bon normalement c'est bon, je peux aller là, tranquille. Je crois que c'est bientôt là qu'il y a un boss à battre. Si je me rappelle bien, je crois que c'est un amiral ou je sais pas quoi là à défoncer. Si je ne comprends pas les jeux d'ailleurs. Ça c'est possible aussi. Va continuer tes règles là, on y programme tes vidéos pour un an là, et t'es bien après. D'ailleurs en parlant de ça, moi dans 3 jours il faut que je refasse un upload parce que j'ai plus de vidéos pour la chaîne YouTube secondaire. Là il n'y en a plus que pour 3 jours d'upload et après j'ai plus de vidéos de demi. C'est qui lui a déclaré sa flemme, d'accord. Lui a déclaré sa flemme alors? Parce que toi tu sais pas écrire frérot. Déjà plus de vidéos. Bah ouais attends oh. Ça fait combien? Ça fait depuis le mois de juillet que j'ai pas uploadé de vidéos sur la chaîne secondaire à part les shorts. Mais en vidéo j'en ai pas uploadé hein. Là j'en ai quelques-unes, j'en ai pas mal le tourné, j'ai assez pour aller jusqu'au mois d'octobre et tout ça quoi. Ouais j'avais vraiment la flemme. Je pense que je vais en mettre à uploader ce soir là. Je vais mettre toutes celles que j'ai à uploader. Comme ça après j'aurai plus que la mise en ligne à faire. Bah attends Yoshi, à un moment je sortais 2 vidéos par jour et 3 shorts. Ça commence à faire beaucoup de contenu quand même hein. Pour une chaîne avec si peu d'abos et même pas monétisé. Mama quand tu vois tous les types maintenant là, dès qu'ils gagnent, il faut qu'ils gagnent de l'argent pour faire être actif. Par contre, j'ai été étonné de ouf. J'ai des épisodes de Sniper Ghost Warrior qui ont fait pas mal de vues hein, en vrai. Hein. Bon, pour ma chaîne, mais c'est pas beaucoup pour une chaîne normale, mais elle a fait quand même plus de vues que les autres, quoi. Genre des épisodes à presque 80-100 vues. J'étais là, ah ouais, quand même.
Alors que le jeu est hyper vieux, quoi. Enfin, je le finis celui-là aussi un jour. J'en ai trop de jeux. Ouais, ça fait plaisir en vrai. Après, le let's play dont je suis le plus fier quand même, c'est Rise Immortal Phoenix Rising. Putain, des épisodes à 2K vues et tout, j'ai été trop con d'arrêter le jeu. D'arrêter le jeu à un moment alors que tous les épisodes y cartonnaient. J'ai trop été con. Les gens aiment le rétro parfois, ouais. Bah de toute façon, moi sur la chaîne, je l'ai dit, hein. Je fais du rétro, je fais du récent, du moins un peu moins récent, bah je fais de tout, en fait. Je fais surtout les séries de jeux qui m'intéressent, quoi. Oh bah, tu sais, Big, quand elle voit que c'est moi qui live, elle se casse aussi, hein, frérot. Hein. Regarde, elle reste 5 minutes et elle se barre, hein, donc c'est pas mieux. Hein. Par contre, quand c'est Onyx, elle va jouer avec et tout, voilà, quoi. Ils ont rapporté pas mal, eux. Oui, mais Big, il est sur le téléphone, Yoshi. Elle en déprime, Big, hein. Elle en déprime, Big, là, depuis que tu joues plus, frérot. N'empêche, depuis que tu joues... Eh, c'est une coïncidence de fou, Big, hein. Mais depuis que t'as arrêté les lives, elle a arrêté de m'envoyer des snaps. Alors, je pense que c'est lié, quand même, hein. Ça fait une semaine, j'ai plus de snaps. Putain, mon snap, il est tellement tranquille. Enfin, maintenant, un peu moins, parce qu'il y a la confatalisme. Sinon, ouais, ça fait une petite semaine qu'elle a pas envie de snap depuis que t'as arrêté les lives, alors je pense que c'est lié, hein. Ah, peut-être aussi, hein. Après, elle fait rien pour arranger les choses non plus, hein. Tu sais, la meuf, elle serait cool, elle viendrait, mais elle suivrait ou quoi. Elle vient, pose des questions, elle se barre, elle écoute pas la réponse, elle revient 10 minutes après, elle re-écoute des questions, elle repose des questions, et toujours les mêmes. C'est bon, c'est relou, non, non. Bah là je vais pouvoir... Putain, mais hey, on dirait que le jeu il se met en fonction de mon timer de vidéo, c'est pas possible. Attends, faut que j'aille où là?
Allez, il va enfin avoir ses 1000 PV lui. Ouais, ça y est. Ah peut-être. Attends, je viens de voir un truc. Là, mais il y a aussi la conférence PlayStation aujourd'hui. Ouais. Il y a une conf play aussi, mais c'est pas. Je crois pas que c'est pour les jeux. Je sais plus pourquoi ils font la conve. Mais de toute façon, je pourrais pas la suivre non plus. Donc dans tous les cas, peut-être je posterai des trailers. Ah merde, j'ai oublié de sauvegarder. Je sauvegarderai après. Ouais, bah ils vont sûrement montrer les. Donner la date de sortie de la nouvelle manette. PS5 et tout là, la manette PS5 Pro là, un peu comme la Elite de chez Xbox, la PS5 Edge ils appellent ça. Je sais pas. Bon de toute façon je taffe donc. Elle est à quelle heure la conf Yoshi? Ça a commencé. Ah ouais d'accord. Ouais bah là je dois trop finir FF hein. Tiens-moi au courant s'il y a des jeux bien comme ça, je chope les trailers et je les poste direct. Je vais actualiser Twitter. Ah, il y a Tekken 8 qui a été annoncé. Il y a pas de trailer pour Tekken. Attends, on va sauvegarder. Tu peux m'envoyer sur Discord le lien de la conf, s'il te plaît? Ok, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker, commenter, partager, bien sûr, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez kiffé. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye!